la droite se déchire, la gauche est atomisée, et bon, le Front National, on n'en parle même pas. Jean-Paul Carola, qui sous la bannière Péagourt, s'y dans la première circonscription de la Corse du Sud. Pour les nationalistes, le message dans cette campagne est le même pour toutes les circonscriptions. Il faut l'amnistie pour le prisonnier, le statut fiscal, le statut de résident. C'est un message important et la décision se fera à Paris. Donc si on a des représentants au Palais Bourbon pour porter ces messages, je pense que ce sera essentiel. Jean-Paul Carolaggi, 53 ans, est médecin à Ajaccio. Militant connu, il est le seul candidat à n'exercer aucun mandat électif. Sa suppléante, Julia Tiberi, avocate de 35 ans, était sur la liste Femagurtzig en 2015. À Ajaccio, contrairement à Bastia et Porto Vecchio, les candidatures nationalistes changent à chaque scrutin. Aux législatives de 2012, Romain Colonna et Paul Leonetti se présentent pour la première fois. Ils totalisent alors 13,8% des voix. Aucun des deux ne portera la liste aux municipales de 2014. Elle sera conduite par José Filippi. Ces faibles résultats sont à contre-courant des scores territoriaux. 31,8% en 2015 et surtout plus de 39% en 2010, mieux que Bastia. Pourtant, à ce jour, aucune stratégie de long terme n'a été mise en place pour capitaliser ces résultats. À Ajaccio, les militants, qu'ils soient nationalistes ou non, ont besoin finalement de référents et de référents et de visages qui s'inscrivent dans une démarche politique durable. Vous parlez des territoriales, vous parlez des municipales ? Pour l'instant, je parle des législatives et des territoriales. L'objectif est d'être bien placé au second tour. En cas de troisième place, il faut obtenir 12,5% des inscrits, soit environ 6 500 suffrages.